Salut mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous et nous les mecs on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble avoir tranché pour son avenir, il y a de grandes chances qu'il signe pour le Real Madrid. Ces derniers jours, le PSG tente de prolonger Kylian Mbappé, dont le contrat s'achève en juin prochain. Toutefois, comme révélé en exclusivité par le Disport.com, l'attaquant français Mbappé dispose d'un accord verbal avec le Real Madrid, ce qui confère une grande confiance au club merengue. À tel point que selon le journaliste de la Cadena Ser, Mario Berrojón, Kylian Mbappé a déjà décidé et qu'il ne signera pas ce nouveau contrat avec le PSG pour rejoindre le Real Madrid. D'après les dernières informations de AS, une prolongation de Kylian Mbappé au PSG serait tout bonnement utopique. Le quotidien espagnol confirme même les informations du Disport concernant l'existence d'un accord de principe entre l'attaquant français Kylian Mbappé et le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui est persuadé de pouvoir rattraper l'échec de 2017. Le PSG ne devrait vraisemblablement pas lâcher prise de sitôt, mais au Real Madrid, on semble persuadé que Mbappé ne changera pas de cap et quittera donc son club, le PSG, le 30 juin prochain, pour rejoindre la Maison Blanche. Voici un truc les gars pour cette vidéo Mercato sur Kylian Mbappé au Real Madrid. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est vraiment une bonne idée? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche. Ça reste, c'est logiquement, c'est évidemment le plus important. Je compte sur vous, à la prochaine et salut.